Coucou tout le monde, c'est Paulette de Poppy Bijoux. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire 7 paires de boucles d'oreilles. Très délicates, très simples. Assez simples à faire quand même. Avec des petites breloques en cristal, une petite perle de cristal et des petites plumes légères, des petites plumes de paon. Donc si vous voulez savoir comment faire 7 paires de boucles d'oreilles, continuez à regarder. Donc pour cette paire de boucles d'oreilles, vous aurez besoin de plumes, d'une perle cristal Swarovski, un embout pour cordon, une tige à tête plate, un charme en cristal blanc et d'attache de boucles d'oreilles. Pour le matériel, vous aurez besoin d'une pince à bourron et d'une pince plate. Donc pour mes plumes, elles sont assez délicates. Je pense que ce sont des plumes de paon teintées, je ne sais pas. Et donc, pour les rassembler, moi j'ai pris de la colle et j'ai mis tout autour comme ceci. Ensuite, j'ai maintenu au doigt en roulant tout délicatement et ensuite j'ai laissé sécher. Donc moi j'ai déjà monté une partie, donc ça va donner ça. Et nous allons commencer. Donc je vais commencer par monter ma perle sur la tige. Comme ceci. Je prends ma pince à bourron et je fais mon petit anneau, ma petite boucle. Comme ceci. Je prends ensuite, une fois que j'ai monté ma perle sur la tige, je vais monter mes plumes sur l'embout pour des fils de 3 mm. Donc, je prends ma tige. Vous aurez besoin de colle également. Hein. C'est optionnel, mais bon, moi, je préfère en mettre pour que les tiges restent bien en place. Donc, je mets un peu de colle au fond de l'embout, comme ceci. Voilà. Et je prends mes plumes que je place sur mon embout. Je prends ma pince plate. Et là, je pousse un peu la plume vers l'anneau de l'embout pour pouvoir le maintenir. Mais vu qu'il y a de la colle, la plume, elle tient toute seule sur l'embout. C'est ça aussi l'avantage de mettre de la colle dessus. Donc ensuite, je vais rabattre les deux côtés vers le centre, comme ceci. Hop. Voilà, s'il y a un peu de colle qui dépasse, vous enlevez. Et voilà, ma petite plume est montée. Donc, vous mettez ça de côté. Je prends mon attache de boucle d'oreille et je vais commencer à monter mes éléments sur cette tige. J'ouvre la petite boucle de ma tige, comme ceci, en twistant. Donc vous ouvrez le petit embout, le petit anneau vers vous. Avec votre pince plate, comme ça. Après, vous prenez votre plume, donc vous prenez votre tige comme ceci, et la fermeture va être vers
le bout qui va dans l'oreille. Comme ceci, vu que la partie arrondie sera à l'extérieur. Ensuite, je prends ma perle que j'ai montée tout à l'heure. Ça, il n'y a pas de sens pour cela. Et ensuite, ma petite breloque, pardon. Et je le place en dernier. Et ensuite, je ferme la tache de boucle d'oreille. Et voilà. Ma petite paire de boucles d'oreilles est terminée. Donc, si vous avez aimé ce petit tuto, n'hésitez pas à partager et n'hésitez pas à vous abonner également pour avoir plus de tutoriels de création de bijoux. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé. Ciao, ciao !